Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui c'est thumbnail manque. Ça fait très longtemps que j'ai pu jouer à Icarus. Et je pense que je vais pouvoir rejouer de nouveau. On va nouveau continuer avec vous l'expérience. Il y a eu beaucoup, énormément de changements, de nouveautés, des DLC. Pour l'instant, j'ai rien pris du tout. Et j'ai juste un peu démarré pour voir si j'arrive à jouer de nouveau. Donc du coup, on va continuer ensemble. On va aller farmer. On va regarder après quand on pourra faire pour débloquer des choses encore. Il me reste 3 points sur moi. On ira débloquer. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille faire un peu le stock de minerais de fer, du platine, etc. etc. Alors... J'ai essayé de comprendre un peu le concept du jeu parce que j'ai complètement oublié. Ça c'est quoi? Un glissement de sel. Alors, juste avant, je me suis fait attaquer par des abeilles. J'avais pas compris comment les tuer. Ah bah ils sont là de nouveau. Apparemment, il suffit juste un outil pour le tuer. J'ai pas compris bien. Ah, je me suis pris à voir. Bon, on va sortir. J'ai même pas capté qui avait lui, c'était là. On va juste se soigner parce que sinon je vais mourir. Attendez. On va prendre un stock. Ça c'est bon. Ok. Bon. Je vais me débarrasser de lui là. Il est où? Voilà. Il m'embête plus. Et maintenant, il faut débarrasser les abeilles. Apparemment, j'ai réussi à tuer avec ça. Est-ce que les flèches, ça marche? Non, ça marche pas, j'ai perdu 2 flèches pour rien, il me reste combien de flèches? Ok, en plus c'est de l'acier que j'utilise. Ah. J'ai pas compris comment ça fonctionne. J'ai débarrassé. Allez, monte ce foutu rocher là. J'ai un peu de mal à monter. Attends. J'essaie de comprendre. C'est pas la solution. Ah voilà. Allez, venez. Je sais pas comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Thank you.
laissé tomber. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. N'hésitez pas à mettre un commentaire comment vous faites. J'ai pas compris. On va aller juste reprendre mon poumon dehors là. Elle est en train de souffrir. Parce que ça c'est nouveau pour moi. J'ai pas compris le concept. Mais je pense que je vais continuer à farmer. Un vestige de taverne. Alors ça c'est sert à quoi ça? Un souvenir préservé, un ancien grand verre de caverne. D'accord. Attendez pas du tout à ça. Plus mon. On va essayer de manger. Qu'est-ce qu'il a besoin pour enlever? Avec des antibiotiques. D'accord. J'ai antibiotiques. C'est ça? D'accord. Bon, j'ai pas compris, mais on va pas passer toute la nuit ici dehors. Et ça c'est quoi du titane? Allez, on va prendre ça. Ça c'est quoi du cuivre? On va retourner dehors. Comment on fait de nouveau comme ça? Non. Il l'a mis dedans ou il l'a jeté dehors? Ok, ça marche. On va juste attendre que le poumon finisse. Ça, on va le détruire. Je vois pas l'intérêt pour moi. On a cette tenue au niveau de l'arbre à tête. Je sais pas quoi prendre encore. Et la dernière vidéo, on avait fait un compétiteur. Mais j'ai pas trop compris comment ça fonctionne. Qu'est-ce que j'aimerais débloquer? 10 plus rapide, plus efficace, alimenté par un biocarburant et doté de plus grande capacité de stockage. Ça, c'est très intéressant. Mais apparemment, il faut que je fasse des composants électroniques. Il y a tellement de choses que j'ai pas débloqué. La cuisine. Est-il avancé? Ditissime platine, ça c'est très intéressant. Du cuir traité 14 et ça c'est 12. Et après ça on a chasseur et après on a le truc. Ok, je pense qu'on va prendre celui là voilà. Ça, c'est pour les animaux, on verra ça après. Il me reste 2 points. Attends, c'est bientôt fini. On a beaucoup de cuisine. Ah, j'aimerais bien qu'on fasse un peu des armes, mais apparemment celui-ci il faut de l'électricité. Hmm.
pompe à eau, de... Par contre, ça, c'est intéressant. Ah, je l'ai déjà débloqué. Il faut des fils d'or, fils de cuivre, de l'or. Ok. Un thermo, on va débloquer. On va faire des boissons thermo qui permettent de tenir plus longtemps. Des balles, un point, il me reste un point. Et ça, je peux fabriquer avec quoi? On peut faire des trucs. On va débloquer celui-là. Ah, j'ai pas débloqué les armes. Pourquoi t'as pas débloqué les armes? J'ai pas compris pourquoi j'ai pas débloqué les armes. Bref, on va voir ça plus tard. Alors, maintenant, on parle bientôt plus de carburant. J'espère qu'il n'y a pas des bêtes. Ok. Allez, on continue. Il faudra du charbon. On va nettoyer celui-là. Épuiser. On va boire un peu d'eau. Ok. C'est qu'on peut encore prendre. Au niveau de l'inventaire, on n'est pas lourd là, si, non. Ok, on continue. Ça se dit titane. C'est un matériel très avancé. Je me rappelle plus qu'on peut faire de nouveau des outils en titane, je crois. Ça, c'est quoi? De l'aluminium, pourquoi pas? Ça fonctionne. Ah, il y a du charbon là. On va sortir un peu dehors. Ah, voilà. Allez, on va vider l'inventaire. On va prendre un peu d'air. Ah, voilà. J'ai déjà niveau le poumon. J'aurais dû débloquer l'autre. Les trucs pour les grottes là. Attends un peu. J'aurais dû débloquer celui-là là. J'aurais dû faire. Mais bon. Mais tu fais maintenant tu es bientôt au niveau 33. Donc on va tout de suite débloquer les déshumidificateurs. C'est très important pour moi. Et un dissolveur d'ostite aussi. Un radar biocarburant. Non. Un extracteur de biocarburant, c'est pas mal à voir, mais le problème c'est qu'il faut du biocarburant. Donc on n'a pas encore travaillé avec les biocarburants encore. Donc il faut qu'on débloque celui-ci. L'extracteur, je sais pas pour le moment. Ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Par contre, je veux bien comprendre pourquoi j'ai pas débloqué... cette arme, je ne comprends pas pourquoi. Que là ça débloque. Ah non, d'accord, il faut des points pour que tu as débloqué le cadenas en fait. D'accord, je croyais que je pouvais pas débloquer. Non, c'est parce que j'ai plus de points. D'accord, tout va bien. Bon allez, on va continuer parce que là on va pas attendre 8 minutes. Je peux pas prendre un peu de
sais pas si ça fonctionne, mais... Allez. Elle dirait quelque chose, là. Non. Alors, on va nettoyer correctement. Ah, je savais s'il y avait un... Ok. Choper la celle-là. Non. Je vais monter par là. On va se mettre de l'autre côté. Ah, ça fonctionne. Voilà. Non. Voilà. Non. C'est bon. Par contre, c'est du charbon qui m'intéresse. Il faut qu'on regarde. Ah voilà, c'est ça que je veux. Pour faire une recette, je sais plus comment on appelle ça, pour faire les mélanges de minerais du charbon. Il y a du charbon là quelque part. Ah. Ok, là il y a du charbon. Là c'est bon. On va le débarrasser. Voilà. Ça c'est bon. Ah, oh, mais il y en a encore deux là. C'est fou ça. Niveau supérieur, génial, j'ai gagné 4 points. J'ai peut-être un levier, ça c'est cool. Non. L'ambiance. Là. C'est bon, j'ai eu. Ok.
On va aller chez Vidé avant que je suis immobilisé. On va prendre un peu d'oxygène. La pioche en acier, il est bientôt mort. J'espère y arriver à tout finir. Ça sera bien. Je vais m'attaquer, hein. Allez, viens. C'est bon, j'ai tué. Elle m'en meurt plus. On continue, on finit. C'est du cuivre, hein. Mais quel saut qu'il a fait. Allez, on va y arriver. Ok. Il me reste encore 3, 4. Est-ce qu'on arrive à tout finir avec la pioche? Pas ça, la partie là, je suis là, hop là, qu'il arrive à supporter la dernière ou pas? Non. Artisanat, on va faire ses pioches, on va finir la dernière. Il est où? Thank you.
J'étais pas loin de mourir hein, le premier jour de la reprise du jeu. Hein. Oula, il y a un ours là-bas, on va l'éviter. Allez, on va rentrer à la maison. Non, j'aime pas ça. Est-ce qu'il va me lâcher ou va tout le temps me suivre? Je l'ai eu. Allez, on se barre. Il y a encore un loup là, je vais pas me faire choper. Allez, on arrive bientôt. Je sais pas pourquoi mon pigeon il est tout le temps fatigué. Je ne sais pas du tout. Là. Ah, il a très faim.
Ah d'accord, il a reçu des points, des compétences, c'est nouveau ça. Ah bah t'es là, arrêté, passif, suivre, d'accord. Endurance, charge accrue. Je pense que on va lui donner ça, on va lui donner ça. Voilà. Pour le moment, c'est ça la priorité. On va manger, c'est ça. Ok, il n'y a plus d'eau. Bon allez, on va se vider, on va essayer de se rappeler ce qu'il faut faire. On avait dit à l'époque qu'on aimerait faire tout en béton, mais il va falloir beaucoup de matériaux. Donc je suis pas sûr qu'on sera prêt. Alors, on fait comme ça, comme ça. Les minéraux, je sais même plus où on les met maintenant. Ici, il y en a quoi? Ici, il y en a quoi? D'accord. D'accord, c'est pas... Non, c'est pas ça. Il faut vraiment... C'est là-dedans. Oui, c'est ça. Il faut du charbon. La chèvre d'arbre se fait avec des bâtons. On est d'accord. Poudre à canon, c'est charbon, plan fané, sel, et ça c'est quoi? Ok. Bon, on va essayer de choper du charbon, il y en a dans l'inventaire. On n'a pas beaucoup de charbon. Hein. Par contre, ils n'ont plus de nourriture, les animaux. On va choper de la nourriture. On fait comme ça. Non. Maintenant, ils ont fané. Ah, ils ont tout fané. Ok, bon, tant pis. J'ai quelque chose à donner. Bon, on va en refaire des légumes, t'en fais pas. On va recommencer là où on s'est arrêté. On fait comme ça. J'espère que tout le monde va bien. Hein, ça fait beaucoup de nourriture, hein. Ça fait beaucoup de bouche à nourriture. Hein. Du coup, on reprend. Maximum 23. Et ça coûte combien en fait? 6 minerais et 1 minerai. Ah d'accord. C'est surtout les minerais de fer qui coûtent cher. Ok. Un peu trop. Non, c'est pas que je...
Mais du coup, il faut le mettre là ou... Là, ça marche ou ça marche pas? D'accord. Charbon. Ok. C'était juste pour comprendre. Allez, on continue. Ça, c'est de la pierre. Ah, j'arrive à bouger. Oui, j'arrive à bouger. Ah, j'ai soif. Un peu d'oxygène. Et après ça, il va falloir qu'on répare les outils. Cool. Du charbon, on en a assez, ça c'est bien. On va liquider tous les minerais. Comme ça, on peut faire beaucoup de stock. Là, c'est du titane. Ah oh, bah, il y en a encore un peu là. On va enlever celui-là. On va terminer avec ça. Une histoire d'être tranquille. Pas donné, mais bon, du coup on va laisser le charbon ici. On va juste recharger la bouteille. Alors, la lande de peau, je sais plus où on l'a fait. Je crois qu'on doit la mettre ici. Réparer. Parfait. Elle fonctionne bien, effectivement. J'ai pas regardé le niveau du matériau, mais... Alors, il a besoin de ces trois où je veux. Ouais, c'est pas ici déjà. On va essayer là-dedans. Alors. Pour faire des lingots d'acier, il faut juste un floraison en bas. Ça, c'est cool. Ça, c'est de l'argile. Du titane. Il va falloir qu'on fasse une armoire de stockage, un armoire en bois. Je vais voir un truc. Je vais juste regarder. Des armoires en fer. Genre quoi de stockage? C'est 50 emplacements. Et ici, il y a des armoires. Je vois pas de... C'est pas trop fond. Ça, c'est le miel, on avait vu, mais il faut de l'électricité, donc c'est mort. Bain de décoration, ça m'intéresse bien, mais bon. Carence d'emplacement. Alors celui-là, il donne 40 d'emplacement. Et celui-là, il donne combien? Je ne vois pas bien. Carence d'emplacement. C'est où que j'ai débloqué les armoires? Ici, hein? Non? Non, c'est dans le palier 2. Armoire en bois sculpté. Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout.
Je vais voir un truc, hein, arme cryptée. J'ai pas marqué combien de stockage. Ah voilà. Un bon de armoire en bois. C'est pas marqué le la quantité de stockage. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5. Ça fait 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Donc il y a 45 de stockage ici. Et ici, je suis à 40. Ça me paraît bizarre, hein. Ça me paraît vraiment bizarre. Parce que là, on est vraiment à 50, c'est le maximum. Je sais pas. Je pense qu'on va pas s'emmerder. On peut libérer, on a besoin des cordes. Alors les cordes, c'est où de nouveau? Je me rappelle plus. Ah ben voilà, ça tombe bien. Ah, j'ai du mal avec les touches là, les transferts rapidement. On va faire une armoire pour les lingots et ça, il y a quoi là dedans? Ah bah oui, pourquoi je ne mets pas là dedans? Bam, 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 comme ça. Voilà, ça le libère un peu. Et je récupère l'armoire. On va la mettre ici. Inventaire. Déployer. Et du coup, on va faire un peu de ménage. On va tout prendre. Je voulais ça. Apparemment, c'est bon. Alors, les plans pourris, les plans fanés, on va les laisser ici. On va récupérer le rat que lui là. Oh, tu m'as fait peur. J'ai quoi sur moi? Du cuivre. D'aluminium. Alors je sais pas si ça fait automatiquement ou pas. Du coup, on va faire comme ça. Non, crâne dedans. Ok, c'est bon. Je vais fermer la porte. Faudra que je regarde comment faire pour faire un encode dehors avec une porte pour qu'il s'évade pas. Qu'il puisse balader un peu dehors aussi, ça sera bien. Alors, je vais juste poser
le chariot dedans, comme toujours. On ferme la porte. Alors, les pierres, de toute façon, ça va ici. Je vais poser ça en attendant, au cas où, pour si jamais j'ai besoin de faire quelque chose. Du bois. Ça, c'est un truc pour les souvenirs. Je sais pas où les mettre pour le moment. Ah, je crois que je vais les mettre ici ou à côté. Non, ici. Il y a quoi? Ok, il y a bien la variée. Ça, c'est pour faire des. Ouais. Ah, il y a de la laine pour faire des cordes. Ok, bon, on va boire un coup. J'ai plus à manger. On verra ça, que ça va donner. Alors, ici on a quoi? J'essaie de tout revoir parce que je sais pas si j'avais déjà tout crafté ou pas. Fenêtre à barreaux d'acier, ok. Ça c'est quoi? Des briques combustibles emballées. Je ne sais pas à quoi ça sert, une forge on en a, des gaines, des platines. Ok, bon. On a tout, on a juste le biocarburant pour faire en marche. On a besoin de fibres, j'ai dû te regarder les quantités. Ok, du blé, ah du blé on arrive à en avoir tout plein. Le bois aussi, mais il vaut mieux le garder. Ah bah, si c'est quoi, on va faire un peu le... J'ai du blé ici. Et du coup, tu as besoin de la sève, bien sûr. Comment on fait? Un mat de bâton. Je vais voir s'il y a des bâtons pour faire de la sève. Alors, ça fait 125 de chèvres, c'est pas mal. Au niveau des talents, c'est qu'on pourrait débloquer. Je sais plus qu'on a besoin. Ça, c'est quoi? Augmentation des dégâts contre les autres créatures, ça m'intéresse pas. La main verte. Ok, manger remplit plus rapidement la barre de faim, ralentit la décomposition de l'aliment dans votre inventaire, c'est aussi pas mal. Élevage, ça c'est la pêche, la pêche c'est intéressant ou pas? Habitation, on a quoi ici? Réparation, bâtiment. Un espace supplémentaire. Et ça c'est quoi? Ça c'est du verre. Le transport du béton. Non. Du, le,
Réduction de la perdurabilité des pioches. Ça, c'est intéressant. Fabrication de la pioche moins chère. Ça, ça pourrait être intéressant. Le bois, la chaume, pierre. Prix des réduits à béton, ça, ça a été fait. Les pièces de construction de bois sont moins susceptibles à prendre le feu. Paratonnerre. Ça, c'est du verre, ok. C'est pas que je cherche. Et après, celui-ci, si m'intéresse. Sinon, le combat, c'est quoi? Fabrication des munitions coûte moins cher. Recharge plus rapidement les pistolets. Les fusils, munitions. Ici, on est à quoi? Augmente le multiplicateur des coups de traitiste des arcs. On a tellement de choses qu'on aimerait. Je pense que je vais plutôt me concentrer sur celui-ci. La réduction des perdurabilités des pioches, ça c'est très intéressant pour moi. Augmente le rayon d'extraction de la pioche. Ça c'est vraiment un truc qui m'intéresse le plus. La hache, on va plus trop servir, par contre on n'utilisera pas fortement beaucoup de bois, mais la pioche c'est vraiment très important pour moi. Augmente la vitesse de déplacement, ok. Augmente le marteau de réparation. Moi, je pense qu'on devrait travailler plutôt ici. Pour l'arbre à tech, alors, on a 3 points. Je suis un peu perdu. L'armoire, pour le moment, on attend. C'est trop tôt. La cuisine, j'aimerais bien passer à l'étape suivante, mais je pense que je vais d'abord attendre. Là, du coup, on avait dit pour les balles. Trois points pour... Ah oui, oui, je sais ce que je voulais dire. Déjà, on prend ça. On avait dit, c'est très important. Il me reste 2 points, soit... C'est quoi les balais? Coûte 1 lingo, ok. Ça peut le fabriquer. Poudre à canon, j'ai pas regardé, mais il faut du charbon. Sinon... Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ah, on n'a pas regardé les thermos. Les pluches en platine. Les platines, c'est quoi de nouveau? Faut que je me rappelle que c'est comme matériau qu'il faut. Attends. Ça, c'est pas mal, ok. Par contre, celui-là, il faut débloquer pour aller à celui-ci. Ok, bon, c'est pas le but. Ça on verra un petit peu plus tard. C'est qu'on a d'autres. Un canard de grotte. Un carnet de grotte qui permet de trouver des grottes, des environnements qu'il doit pour activer, désactiver les sonores bip. C'est pas mal ça, on va débloquer. On a permis de chercher des grottes. Ça c'est intéressant. Le fumoir, c'est pas le but pour moi. Pour fabriquer des bouteilles, peut-être normalement oui, mais il faut qu'on revienne au palier 2. Alors, on avait dit botte à pêche, ça sert à quoi? Un endroit pour stocker les leurres des pêches et vos dernières prises. Mm-hmm.
Cation d'élevage pour les... Ah oui, les poules. Attends, on va pas trop vite. J'aimerais bien aussi faire, mais d'abord... Ah, mais il y avait un pistolet là. Bon. Ça, ça sert à quoi? Le siphon volatilis, explosif. Ok. Il y a bien quelque chose qu'on doit en avoir. Hein. Les bancs de trophées, on l'a pas eu. On va débloquer les bancs de trophées. On aimerait faire un peu de trophées, ça m'arrange bien. Alors, ça c'est terminé. Et du coup, il faut avec de la fibre. On a de la fibre à débarrasser ou pas? Je crois qu'il y en a un peu trop. Allez, on va lancer les premiers biocarburants pour voir comment ça fonctionne. Ah bah non, on voulait faire avec du blé. On met ça dedans et du coup, on met ça dedans et ça travaille tout seul, non? Eau non raccordée. Pour la connexion, permet d'augmenter le taux de la production et la vitesse de fonctionnement de l'appareil. Ah, purée des patates. On manque. Il faut une station à eau. Ah purée. Purée des patates. Récupération de vie, ça c'est intéressant, on n'a pas fait ça encore. Du sel, des œufs, de l'oxyde. J'en ai plus. Ah, il va falloir qu'on fasse du stock de l'oxyde, apparemment. Non? On a de l'oxyde. Ça, c'est quoi? Il n'y a rien. Des os, on en a. C'est pas mal. Et j'ai besoin quoi encore? Du sel, on en a ici. Ça, on va remettre dedans. Du charbon à bois. On va faire 50. Non. On va fabriquer 20 anti-paradis parce que l'anti-paradis j'en ai plus beaucoup. Ça fait 20, ça fait 2. Ça c'est quoi? Anti-poison. Ok. Et du coup, on va regarder ce qu'on peut faire. Les thermos. Ah oui, ça coûte des lingots d'acier en plus. 4 de verre, un lingot d'acier. D'acier. J'espère que c'est juste une bouteille. Hein. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est juste une bouteille. Ok, ça va. Banc de trophée. Alors, il faut du bois, du fer, des cordes. Cordes, j'en ai ici. Du bois, j'espère que j'en ai gardé un peu.
Lingots de fer, du cuivre, des clous cuivre. Lingots de fer. Là-dedans, j'ai fait du cuivre. Et du coup, il manque du bois. Alors, du bois. J'en ai un peu ici. Magnifique. Allez, on lance les trophées. C'est parfait. Et par contre, on n'avait pas débloqué un autre. C'est ce qui nous manque. Là, ça c'est fait. Un banc de verrier, on lâche. Un déshumidificateur, oui, c'est celui-là qu'il nous faut. Le composant électronique. Alors, où se craft le composant électronique? Composant électronique, on les a. Ah oui, ça coûte cher. Il faut beaucoup de fil d'or. Ça, c'est pas donné. Composant électronique. Du fil de cuivre aussi, de la résine, de l'époxy. Et apparemment il m'en faut 5, il m'en faut 20. Il faut 100 fils d'or, 300 fils de cuivre, 40 et 40. Ouh. Ils s'en foutent, hein. Ils sont vraiment fous. Ils sont vraiment fous. Alors, c'est quoi du fil d'or? D'accord. Ouais. Je crois que c'est 200. Attends, j'essaie de faire un calcul. 20 fois. Ça fait... Bon. De quoi c'est en cours? Ah bah oui, j'ai pas assez. Il n'y en a pas assez. Et du coup, il faudra que je fabrique du fil de cuivre. Des lingots cuivre, des lingots, on a largement, on en a même de trop. Donc on va tout liquider, c'est les 40 lingots. Ça c'est pas problème. Un masque 52, ça c'est parfait. Et là, on va voir pour la poser quelque part. On va la mettre ici. Et sinon, pourquoi pas les mettre ailleurs. On va la mettre en haut. Non? Ouais, on va la mettre en haut. Pas que je vais la mettre ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Du bois raffiné. Ah, maintenant, j'ai celui-là, là, apparemment. Ça me fera l'affaire. Du
du beurre raffiné, ils sont ici. On va tester. C'est bien ça. Fabriqué. Et après, il faut que des têtes. Intéressant. Alors ça, c'est mon premier trophée. Que... Ah oui, carrément. Ah oui, d'accord. Je crois que c'est un petit objet, mais là, ça rigole pas. Du coup, je crois que je vais le mettre ici. Ah oui. Ah ouais, c'est trop rigolo. J'adore. Ah, j'adore ce truc. Je ne m'attendais pas à voir un beau trophée aussi beau comme ça. Là, du coup, je vais mettre le dernier. On va le mettre dans la cuisine, ici, au-dessus du camp de feu, ou alors... Est-ce que je peux mettre ici ou pas? Non, c'est pas très joli, mais je crois que je vais plutôt mettre ici. Voilà. Ah, c'est trop beau. C'est trop stylé. Franchement, magnifique. Par la suite, on va voir pour faire des autres trophées. On va décorer un petit peu. J'aimerais bien faire les bétons aussi. Voilà. Les fondations, c'est les plafonds. Je crois que c'est les plafonds qu'il faut. Les sols en béton. Comment tu peux en faire 10. Ouais. Et les murs en béton. 10. Ouais, c'est pas donné, mais ça coûte cher. Hein. Ah, c'est les barres d'armature qui manquent. Les barres d'armature. On va lancer des barres d'armature. Ok, ça charge, c'est bien, voilà, on récupère. C'est tout. Ok, on va la mettre ici. Et du coup, je peux aller jusqu'à 22. Et si je mets ça, ça va jusqu'à 12. Ah oui, la partie du bas, elle coûte plus cher que... Et si je mets ça, ça fait 22. Est-ce que c'est les murs ou les plafonds qu'on va recommencer les bétons? Je crois que je vais franc, que le sol n'est pas si mauvais. Je pense que je vais plutôt commencer. C'est quoi les trucs rouges dehors là? Ah, je sais pas. Je veux commencer d'abord la fondation en bas. On va commencer la cuisine. On va regarder ce que ça va donner pour la cuisine. On fait d'abord la cuisine, la fondation, pour comprendre. Et ici, il y a quoi? Ah, j'ai pas lancé le... On va lancer tout ça, là. Ça, c'est bon. On va la faire tourner pour faire du lingot, des lingots d'acier. Effectivement. Et du coup, on est d'accord, hein, c'est 1. Donc en total, j'ai 134 lingots d'acier. Ah, c'est pas mal. C'est assez un bon début. Alors, fibre carbone pour transformer en quoi? Je sais pas. De la pâte pour transformer en fibre de carbone, d'accord, c'est ça qu'il veut dire. De l'oxygène taillé, des lingots d'acier froid pour transformer en lingots d'acier froid. Intéressant. Du verre, c'est grâce à du sable, on est d'accord. Briques. D'accord.
Ah, je crois qu'il a terminé. Allez, on va tester le nouveau béton. Alors, comment ça fonctionne? Je ne me rappelle plus du tout. Déployer. Je sais pas comment on fait. Il faut un marteau. Marteau, protéger les structures contre le courant d'atomique. Je sais pas. Je sais plus comment on fait de nouveau. On va voir ça. Ah voilà, il y a une touche. Admirer la construction. Impossible de mettre à jour. Sélectionner les types à jour. Du béton. Ok, bon, j'ai compris. Il faut sélectionner la touche R, enfoncer, cliquer, choisissez lequel matériau vous voulez, vous validez et après vous pouvez toucher la toute double clic de la souris pour la changer. Par contre ça fait vraiment... Ah ouais mais c'est trop bizarre. On a l'impression de sauter sur des blocs. C'est pas très beau ça, c'est moche. Sol en béton. Est-ce qu'il faut que je pose un plafond ou pas? Allez, on prend ça. Non. Apparemment, j'ai peur de faire une bêtise. Que j'ai l'impression que ça va tout décaler. Alors, pour Franck, les plafonds, il est propre et beau. Qu'est-ce que ça donne en dessous? Ok, ça donne des barres.
Mais par contre, pour ici, c'est vraiment moche. Il va falloir que je trouve une solution, comment faire. Je vais faire le plein. N'hésitez pas à mettre moi un commentaire comment faire le sol proprement. J'ai l'impression qu'il faut que je mette la même chose, un plafond par-dessus pour faire un sol lisse. Et je me demande si je me retrouve pas coincé entre les A. J'ai vraiment l'impression qu'il faut que je fasse tout le sol. Il faut encore un raccordement de l'eau. Ok, donc c'est mort. Donc du coup, le raccordement d'eau, ça sera dans le... Non, c'est dans les paliers 3. Pompe à eau, il faut des tuyaux. Il faut débloquer ces deux-là. Mais ma attention, la pompe à eau a besoin, il faut qu'il fonctionne avec du biocarburant. Mais normalement, on n'a pas besoin de l'eau, hein. Et si je mets ça dedans, ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas. Attention, nécessite un conteneur remplissable pour contenir... Ah, voilà. Il manque un bidon pour mettre dedans. Un bidon de carburant, de lingots de fer. On va voir ça, si c'est bien ça. Merde. Il ne me dit pas de bêtises. Par contre, comment je fais pour... ça, on va aller vérifier. Ça fonctionne. Là, du coup, ça fonctionne bien. C'est juste avec de l'eau, ça augmente le taux de production et la vitesse de fonctionnement de l'appareil. Donc voilà. Bon, écoutez. On va s'arrêter aujourd'hui. Franchement, on a plutôt bien repris le jeu, la découverte. Franchement, je suis très content. On va voir par la suite qu'on pourrait continuer encore plus davantage. Franchement, je suis content de reprendre ce jeu et j'espère les commentaires aussi. N'hésitez pas à en mettre des conseils sur le retour du jeu, etc., etc. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. On continuera pour la prochaine vidéo. Ça fait plaisir. On a commencé les bétons. Je suis très content. Malheureusement, il y a juste ici, il faut qu'on redare pour trouver une solution. Mais bon, bref, on verra ça plus tard. Allez, je vous dis bonne soirée, à la prochaine, ciao ciao.